On dit parfois qu'en politique, il y a un temps pour tout, et peut-être un temps pour tout le monde. Les Verts ont eu le leur il y a 30 ans, mais maintenant, c'est leur tour. Ils sont jeunes, décidés, ont le nez tourné vers l'avenir. Ce sont les pirates. Leur bannière, ils l'ont d'abord hissée sur Internet. À l'automne 2005, les idées d'un Suédois de 33 ans, Rick Falkvinge, se précisent. Il est temps pour ce briscard du développement de logiciels passé par Microsoft de créer son propre parti. Why are you here? Seriously, I mean it's a serious question. Why are you here? Are you dumb? Are you stupid? Alors que le débat sur le droit d'auteur et l'influence de ce que Falkvinge appelle les lobbies du divertissement enfle, il veut mettre la question du partage de fichiers, des brevets et de la propriété intellectuelle sur la table politique. A political party and think they can accomplish something. Are you dumb? If you want the politicians' attention, you need to go outside of their job. You need to make it personal. You need to aim right at their power base and threaten to take their job from them. And that meant stopping trying to talk to politicians and talking to voters instead, challenging the politicians on election day at the polls. Le Monde avait déjà connu Napster et l'explosion des échanges en peer-to-peer. Le 1er janvier 2006, Falkvinge lance un site internet à partir de rien. Tout ce qu'il a à proposer, c'est un embryon de parti et une déclaration de principe naviguant droit au but. In the next two days, that site got 3 million hits. So I was like, okay, I think I hit a nerve here. The first political program of the Pirate Party, which was released, I think, first week of January in 2006, basically wanted to get rid of all intellectual property rights. So what happened was that I took out a huge bank loan, I quit my job and realized, okay, this is my chance to make a difference. Dans le sillage des Suédois, les partis pirates se multiplient avec fulgurance et s'attaquent désormais aux élections. Aux européennes de 2009, les Suédois gagnent 2 sièges à Bruxelles. En septembre 2011, les pirates de Berlin rentrent avec fracas dans leur parlement local. Die FDP 1,9% und die Piraten ziehen mit 9% in das Berliner Abgeordnetenhaus ein. Ich glaube, dass wir uns mit der Frage der Piraten durchaus beschäftigen sollten. Désormais, les pirates veulent prouver qu'ils sont capables de faire de la politique autrement. I mean, the Pirate Party is a mixture between an open source project and a massive multiplayer offline role-playing game. On a des structures, on a une organisation qui permet de créer des groupes de travail qu'on appelle des équipages. C'est nous, ces groupes-là sont libres de définir tant leur vision que leur mission, que leurs objectifs. The Pirate Party is a project in development, like how do you approach information policy progressively, pragmatically. If you want to do something, just find somebody and do it. Um Netze sicher gegen Zensur zu machen, müssen sie in Nutzerhand liegen. Deshalb bauen wir sie selbst. Doing wireless community networks called Freifunk, and I'm a pirate, so let's think about Piratenfreifunk. Because the pirate wants to close to make it possible to get access to knowledge and information, and for some people it's not possible. So because they have no internet, so the best way to bring internet is Freifunk. So we make pirate Freifunk. Un élément essentiel les distingue des autres partis. La plupart de ses membres sont des enfants d'Internet. Ils ont développé des manières de faire et de penser sur les forums, les chats, les wikis et autres points de rencontre et de partage en ligne. We just have to point out they're not evil. They're just upset protesters speaking their mind. I just put people have the right to be anonymous and to protest. À l'origine, le pirate politique se confond avec le pirate du droit d'auteur. Leur crainte est leur cri de ralliement. Sommes-nous des criminels parce que nous téléchargeons ? Restreindre les échanges reviendrait à rogner sur nos libertés fondamentales d'expression, d'accès à l'éducation et à l'information, disent-ils. Qu'un État ou un fournisseur d'accès regarde ce qui passe dans nos câbles et ce sera notre vie privée à tous qui en souffrira. These fundamental rights are now being threatened online, in particular by an industry lobby that think they should, their monopolies should be the guide for how we build the future. And we are upset about that. And because we are upset about that and demand the same civil liberties that have existed for centuries,
They call us pirates. Tout le monde est pirate. Si on regarde ça au sens propre du terme aujourd'hui, à travers nos comportements et nos utilisations de la technologie, on est en infraction permanente. Voilà. Donc, on s'est appelé le parti pirate pour cela. On n'est pas plus illégal que n'importe quel autre citoyen, mais on ne peut pas accepter qu'on met comme ça un stigmate sur 90% de la population. Dans une société où la technologie est partout, l'émergence des partis pirates trahit une inquiétude. Celle de voir des politiques numériques adoptées à l'emporte-pièce ou influencées par des acteurs essentiellement marchands. Souvent, les critiques faites aux partis pirates se sont concentrées sur leurs carences et leur dépendance à des événements liés au net pour progresser aux élections, comme ce fut le cas lors de l'affaire Pirate Bay, qui avait permis aux pirates suédois d'enfin se faire entendre. En même temps, les formations traditionnelles se saisissent des questions d'Internet et pourraient rapidement vider ce concurrent de sa substance. Dieser gesellschaftsumwälzende Generationenkonflikt, der sich dort aufbaut, übersetzen Sie in klassische Politikmodelle, nämlich Datenschutz, Urheberrecht, Netzpolitik. Und beschäftigen sich dann auch mit Netzpolitik. Die Piratenpartei bleibt dort nicht stehen, die geht weiter. Wir beschäftigen uns mit den Sozialsystemen, die wir auch so verstehen wie eine Infrastruktur, die für alle da sein soll und von allen finanziert werden soll, gemeinschaftlich. Und das übersehen die anderen Parteien im Moment noch und das ist für uns ein großes Glück, weil sie immer argumentieren, ja, es geht ums Internet und wir greifen die Themen auf und die Piratenpartei hat jetzt keine Themen mehr, weil wir haben ja auch Netzpolitik. Dass wir da aber weiterdenken und dass wir längst uns neue Themenfelder erschlossen haben, das wird Gott sei Dank im Moment noch nicht gesehen, das ist ein großer Vorteil für uns. The instant we start taking votes, and we are, we start changing the world. Le but des pirates est clair, et leur tâche est énorme. Au minimum, ils visent à influencer la politique des autres partis, à leur faire intégrer une vision d'un Internet ouvert, neutre, créatif, moins cadenassé par les brevets et l'influence des grands acteurs. Toutefois, ils insistent. Leur thème n'est pas l'Internet, mais bien la liberté. It takes time. It takes perseverance. But then again, we're not politicians because we think it's a quick career move. Il y a quelques mois, le magazine allemand Der Spiegel les qualifiait d'amateurs. Aujourd'hui, il les appelle la nouvelle force. Reste à savoir si l'engouement se transformera en un trésor de voix dans une Europe plus que jamais dans la tourmente.